Anne-Laure, Cyril, on est à Beaulieu, Beaulieu-sous-la-Roche, donc Beaulieu-sous-la-Roche connu pour son marché de Noël, très réputé, mais il n'y a pas que ça, puisque aujourd'hui, avec un peu de retard, mais c'est le Téléthon. Alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à Beaulieu? Alors aujourd'hui pour le Téléthon, on a organisé la 24 heures de course à pied. Vraiment 24 heures? 24 heures de course à pied non-stop, donc depuis hier samedi midi et demi. Les coureurs de l'association sont partis toutes les demi-heures pour faire une boucle de 5 km. Et du coup, ils se sont relayés toute la nuit là, jusqu'à du coup, bientôt, on va avoir les derniers relais. Alors il y en a qui ont couru beaucoup de kilomètres. Les plus vaillants. Les plus vaillants, oui, ont fait 10 tours. Wow. Donc ils sont déjà rendus à 53 km là. Ils vont monter quasiment à 60, je pense, avec le dernier tour. Ou le dernier tour, en fait, normalement, tout le monde va le faire ensemble à midi et demi. D'accord. Et en dehors de ça, il y a eu quoi comme autre activité pour le Téléthon là? Alors, il y a eu plusieurs associations qui se sont mobilisées. Il y a eu, par exemple, l'association des Fils d'Argent qui ont organisé des jeux. Voilà, l'amicale laïque a fait des petits bricolages avec les enfants. Il y a eu la marche qui a été réalisée. Ce matin, il y a eu pas mal de... Voilà, ouais. C'est ça. Et il y a encore la Zumba. Et il y a aussi la Zumba qui doit avoir lieu actuellement là. Bravo en tout cas pour cet investissement. Merci, merci beaucoup. Merci.